It's a new dawn, it's a new day. It's a the new starting night. Center, number 27 at 7-1 from France, Rudy Gobert. Bon Rudy, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous ici. Alors, ça fait quoi d'être le meilleur défenseur NBA de l'année? Ingles. Help. Oh, yes, sir. By Rudy. Je sais pas encore. J'espère dans quelques semaines, on pourra en reparler. Objectivement, c'est toi qui mérites le titre. Alors déjà, c'est bien d'être nominé. D'être parmi les 3 meilleurs défenseurs, c'est un grand honneur. Et j'espère pouvoir dire que je suis le meilleur défenseur du monde. And the 2018 Kia NBA Defensive Player of the Year award goes to Rudy Gobert, Utah Jazz. Il y a des médias qui aiment bien rappeler le fait que tu es le sportif français le mieux payé du monde. C'est quelque chose qui te saoule ou t'en as rien à cirer ou au contraire t'en es fier? J'en suis fier. Il n'y a pas de raison de se cacher, il n'y a pas de raison d'être timide quand on parle de salaire. J'ai la chance d'être dans un sport. Qui est très médiatisé et qui devient un sport l'un des sports les plus populaires au monde. Il y a eu des nouveaux droits TV aux États-Unis et donc forcément les contrats sont de plus en plus gros. Et justement, comment tu gères dans ta tête quand tu passes des Restos du Cœur à plusieurs millions? Puisque c'est une belle histoire quand même en vrai. Ta vie, c'est une belle histoire. Je ne suis pas concentré là-dessus. Bien sûr, l'argent, c'est bien. Tu peux avoir un train de vie meilleur. Mais ce qui me rend vraiment heureux, c'est gagner, c'est rendre les gens autour de moi heureux. Et c'est toutes ces choses-là pour moi qui sont les plus importantes. T'as 25 ans et t'as l'air super terre à terre. T'as tout l'inverse d'un flambeur en fait, dans tous les sens du terme. Pas que l'argent, mais vraiment on dirait que tu gères ta carrière comme quelqu'un pourrait gérer une carrière, on va dire, plus traditionnelle. Je sais que les choses les plus importantes et les choses qui m'ont permis d'arriver là où je suis, c'est le travail, les choses simples. C'est toujours les choses que j'ai voulu vraiment garder toute ma vie et toute ma carrière. Quand tu étais petit, ta mère elle disait que tu avais un surplus d'énergie. Limite, tu étais hyperactif. Ça y est, c'est fini maintenant. Là, tu es grave calme. Non, là, je suis calme là. Je suis calme à la télé. Mais sinon, je suis toujours très actif. Que en apparence, donc. J'ai appris à me canaliser. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais. Et c'est vrai qu'avant de faire du basket, tu faisais de la boxe. Et tu t'es blessé à la main avec un cutter. C'était un peu par hasard, en fait. J'ai fait un peu le con avec, avec un cutter. Comment tu peux te blesser avec un cutter? T'as pas envie de savoir. Ah si, au contraire. Non, je jouais, puis j'ai dérapé, puis regarde, j'ai la cicatrice ici. J'étais ouvert comme ça. Et ça giclait. Le jour où j'ai fait ça, j'avais un entraînement de boxe, en fait. Et donc après ça, je suis pas allé. Bien sûr, je suis allé aux urgences. Quelques semaines plus tard, une fois que c'était un peu refermé, j'ai commencé le basket. Donc on peut dire que voilà, un cutter t'a fait monter en NBA des années plus tard. On peut dire. Enfin, faut pas que ça donne des idées à certains quand même. On peut dire que cutter y est pour beaucoup. Et j'ai lu aussi que t'avais le numéro de Drake. T'as des nouvelles depuis un moment? Je vais pas parler depuis un bon moment, mais là vu que je vais être à Los Angeles, on va sûrement se capter. Ouais, parce que lui c'est un gros fan de NBA. Ouais. Il est plus Toronto. Mais... Toronto. Non mais ouais, c'est un gros fan de basket et c'est surtout c'est un bon gars tout simplement, donc des fois c'est cool de faire des petites soirées sympas. Et donc t'aimes bien la musique, évidemment t'aimes bien le sport, mais un truc qu'on sait pas forcément c'est que t'es un fan de manga et d'anime. Ouais bien sûr j'ai tu toujours... Quoi, tu regardes quoi? En ce moment je suis en train de rattraper mon retard sur One Piece, donc j'en suis loin, je dois être au 700 dans ces eaux-là. À 700, t'es encore à Dressrosa alors? Non, j'ai passé Dressrosa, donc je dois être à 800 alors. Azou. Ouais, plus ça. Sinon, j'ai regardé Naruto, Hunter x Hunter. My Hero Academia, non? T'as pas encore goûté? Pas encore. Faudrait que tu me fasses une petite liste. Voilà, on va te mettre bien. T'inquiète, on va te mettre bien. Et les jeux vidéo aussi, t'es un gros joueur. Ouais. Même si là, je joue un peu moins qu'avant. Là, j'ai commencé God of War. J'ai dû laisser ma PlayStation. Je suis reparti en France après la saison, mais j'ai hâte de la retrouver. Et les mangas, les animés, les jeux vidéo, c'est un truc qui te suit depuis que t'es petit ou c'est un truc que... Les animés, j'ai commencé à Cholet. Je devais avoir 17, 18 ans quand j'ai commencé.
Et les jeux vidéo, ah ouais, j'ai commencé à Zelda, je ne savais même pas lire, j'avais 3 ans. Et mon frère, il jouait à Zelda, en fait, et j'ai commencé comme ça. Et ton jeu préféré, c'est Zelda? C'est l'un des jeux qui m'a vu grandir, on va dire. Et je l'ai vu grandir aussi. J'ai commencé sur le Super Nintendo. Ah, Zelda 3, Link to the Past. Et justement, comment t'étais quand t'étais petit? On m'a dit que t'étais un petit peu nerveux, t'avais beaucoup d'énergie. Mais tu rêvais à quoi? T'aspirais à quoi? J'ai toujours été très concentré sur le moment. Quand j'ai commencé le basket, je me suis concentré sur comment progresser. Et chaque année, en fait, j'ai vraiment progressé. Et vers 14 ans, j'ai intégré le Pôle Espoir en internat. Et je me suis dit, bon là, je vais faire les sacrifices et je veux aller en NBA. Justement, avant de se dire, je veux aller en NBA, je vais faire du basket, t'as toujours été focus sur le basket, ton papa est basketteur aussi? Pas vraiment. J'ai plus grandi avec ma mère qu'avec mon père. Et j'ai fait plein de sports. Avant la boxe, j'ai fait du karaté, j'ai fait de l'athlétisme. Et j'ai essayé différents sports parce que j'avais beaucoup d'énergie. Et ma mère et moi, on pensait que, enfin surtout ma mère, on pensait que c'était bien de faire du sport. Et après ça, ben, comme on l'a raconté auparavant, j'ai commencé le basket. Tu t'es toujours dit, je vais aller en NBA? Ouais. Mais tu regardais pas de NBA quand tu étais petit? Non, je pouvais pas. Quand j'étais au Pôle Espoir, j'allais au CDI et je regardais les top 10, des choses comme ça. Mais pour les matchs, c'était dur avant de regarder les matchs en France. Dis-toi, dans les années... Déjà maintenant, c'est 80, dur. 90, mais... c'était la galère. Donc là, même à ton époque, toi, c'était dur. Aujourd'hui, ça va, on a des chances. Aujourd'hui, ça va, ouais. Même si les horaires sont compliqués, au moins, tu as accès. Ouais, tu as accès, c'est ça qui est bien. Tu as découvert la NBA avec quel joueur, en fait? Bah moi à l'époque c'était déjà LeBron James. C'était LeBron James qui tu voyais dans tous les top 10, qui commençait vraiment à dominer la ligue. Bon, il y avait toujours Kobe, il y avait toujours certains gars, Dwayne Wade, il y avait Dwight à l'époque qui était à son pic. Aujourd'hui quand tu te retrouves face à LeBron, il y a quelque chose dans ta tête où tu t'es focus sur le moment? Non, tu... plus maintenant. La première saison t'es impressionné, la deuxième saison t'essayes de les mettre à l'amende. T'as été impressionné quand t'as vu LeBron, mais quand t'es arrivé à Utah, quand t'étais rookie, t'as rencontré Karl Malone, qui est une légende du jazz. T'avais cette connaissance du jazz et de ces légendes, ça t'a impressionné un peu? Ouais, bien sûr, j'ai adoré pouvoir bosser avec Karl et pouvoir parler avec lui. C'est quelque chose qui m'a vraiment, je pense, aidé ma saison rookie. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand vous vous êtes vus? Il s'est passé quoi? Parce que je me dis quand même, c'est Karl Malone, tu vois. Plus il est grave stock et tout. Ah ouais, au début. Enfin, tu vois, il dégage ouais, quelque chose de fou. Mais écoute, au début, on faisait des séances d'entraînement. Il n'y avait pas que moi, en fait. C'était pas individuel. Il y avait des autres intérieurs. J'ai senti une fois qu'il m'a mis un bum comme ça. J'ai cru qu'il sortait de One Piece. Il m'a donné des conseils et vraiment, j'ai senti qu'il croyait en moi dès le début. D'accord. Et qu'il a vu quelque chose en moi. Il a vu que même si j'étais pas encore prêt, tout simplement, il a vu que j'avais la bonne mentalité et que je pourrais aller loin. Et à part Malone, t'as vu d'autres personnes emblématiques du jazz? John Stockton, par exemple, est-ce qu'il est encore lié? Mais en fait, le fils de John Stockton a signé avec nous, là, pour la fin de saison. John était à tous les matchs pour venir supporter son fils. Donc, tous les matchs de play-off, il y avait John, il y avait sa femme. Ah, il a mis toute sa mif. Ah ouais, toute la mif. Alors qu'on les voyait pas trop pendant la saison. Mais quand le fils a signé, toute la famille était là, quoi. Avec le recul, ça fait 2 ans maintenant que vous êtes en play-off avec le jazz. Est-ce que, en vrai, maintenant, tu te dis pas le jazz c'était vraiment la bonne équipe pour toi parce que t'as grandi, t'as fait grandir l'équipe et l'équipe aussi t'a fait grandir et aujourd'hui vous avez une équipe super complète en vrai et vous progressez toujours? J'ai eu la chance de tomber dans une sorte de famille, c'est-à-dire une équipe qui m'a vraiment aidé quand je suis arrivé à m'installer, qui m'a aidé à trouver mes marques. Et une équipe qui a pris le temps aussi de me faire confiance. Ça a pris 2 ans avant que je commence vraiment à vraiment dominer. Et j'ai eu la chance d'avoir un nouveau coach qui est arrivé, qui a cru en moi, d'avoir voilà, une structure qui m'a vraiment aidé à être au mieux et à progresser le plus vite possible. Quand tu arrives en NBA, à la base, tu ne dois pas être avec Utah. À la base, tu dois être avec Denver. Mais tu sais tout de suite que tu vas à Utah, c'est ça? En fait, Utah avait déjà appelé Denver pour prendre leur pick. Mais la règle, c'est que tu dois quand même mettre la casquette de Denver et avant que le trade soit officialisé. Donc les gens voient ça comme si j'avais été sélectionné par Denver et ensuite échangé. Mais en fait, Utah m'a sélectionné via Denver. Denver Nuggets select Rudy Gobert from Saint-Quentin, France. The Denver Nuggets trade the rights to Rudy Gobert to the Utah Jazz. Le premier truc dans ta tête qui se passe quand tu sais que tu pars en NBA, c'est quoi? Je suis content, je suis impatient de... Tu dis ça, content, comme si je te disais je vais aller acheter... Parce que je savais que c'était le début. Je savais que c'était le début et je savais que le plus dur ne faisait que commencer. Mais c'est clair que c'était un gros pas. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de se faire drafter au premier tour, de se faire drafter tout court même. Grave. Et après ça, je savais que c'était le début et que les choses sérieuses allaient commencer. Qu'est-ce qui te choque le plus quand tu passes de Cholet à Utah?
Qu'est-ce qui me choque le plus? Ouais. Il y a des montagnes. Il y a des montagnes, c'est les États-Unis, donc c'est un peu différent. Mais ça reste une ville assez calme, assez tranquille. Salt Lake City, c'est un peu comme les Pyrénées, mais avec des mormons, quoi. Ça, non. Je suis jamais allé aux Pyrénées, je ne sais pas. Mais bon, ça a évolué. Apparemment, il y a 20 ans, c'était très très calme. Et maintenant, il y a un peu moins de 50% de mormons. Ça s'est redynamisé et ça devient une ville, une vraie bonne ville, quoi. Comment ça se passe justement aux États-Unis? T'es une vraie restart là-bas maintenant, t'es reconnu dans la rue, ta popularité, ça va, tu la gères bien, c'est pas trop relou, t'es pas trop embêté? Ça va, bien sûr, c'est pas forcément bien pour moi d'être dans les endroits où c'est blindé de monde et où je dois prendre une photo tous les 5 secondes, mais j'ai l'impression qu'en France aussi ma réputation commence vraiment à augmenter. Je pense que c'est les playoffs, le fait de jouer en playoff et de jouer. C'est justement pour ça que je te pose cette question. Parce que j'allais venir sur les playoffs. Ouais. On a l'impression que les playoffs, donc depuis l'année dernière, en fait, ça a fait connaître peut-être aux gens qui connaissent un peu moins le basket, parce que les gens du basket, ils savent qui t'es. Ils savent tes qualités, etc. Et aujourd'hui, ça t'a popularisé, on va dire, dans un spectre un peu plus large. Ouais, bien sûr. Tout le monde regarde. Des fois, les gens, ils sont à un bar, il y a les playoffs en haut à la télé, et ils te voient, tu vois, tout simplement. Donc, tout le monde regarde les playoffs, et plus tu vas loin, plus il y a de gens qui regardent. Avant que tu arrives au Jazz, qu'est-ce que tu connaissais de l'équipe? Tu connaissais un petit peu les grands noms, les différentes épopées qu'il y a pu avoir ou pas du tout? Bien sûr, je connaissais les joueurs qui avaient marqué la franchise. Après, je connaissais pas énormément de joueurs de... Bon, il y avait Gordon Hayward, c'était entre guillemets le meilleur joueur à l'époque. Il y avait Paul Millsap qui venait de partir. Donc techniquement, les meilleurs joueurs venaient de partir. Al Jefferson aussi. Donc c'était une équipe jeune, en reconstruction. En fait, tu y allais, tu connaissais le passé, mais tu savais pas trop ce qui allait se passer pour le futur. Ouais, c'est ça en fait, c'était un début tout simplement. À la fin de ma première saison, ils ont changé de coach, et là, Quinn Snyder est arrivé, et là, c'est vraiment été le renouveau, quoi. Ça a été comme un souffle nouveau. Est-ce que tu penses que vous êtes sous-côté, les gars? Que y a des gens qui vous prennent pas au sérieux, en fait Ouais, bien sûr. Le fait d'être un petit marché, le fait de pas être super médiatisé pendant la saison. Par exemple, quand on a battu Oklahoma City, tout le monde pensait que c'était une surprise énorme, alors qu'au final, on avait fini la saison avec autant de victoires qu'eux. Utah advances to take on Houston. Aujourd'hui, on peut pas se dire que c'est une surprise de vous retrouver en playoff, en vrai. Quand tu vois la saison régulière. Ouais, et puis il faut savoir que moi, personnellement, j'ai raté 26 matchs. Et pendant cette période-là, on a perdu pas mal de matchs, donc on avait pris beaucoup de retard. On a réussi à faire une grosse fin de saison et à rattraper ce retard. Mais je me dis, j'aime pas dire avec des si, mais avec des si j'avais pas été blessé, je pense qu'on aurait eu encore plus de victoires et on aurait sûrement fini troisième à l'Ouest. Ce qui aurait pu changer pas mal de choses. Ce qui aurait pu changer. Par la suite. Mais bon, il y a l'année prochaine. Ouais, c'est ça, il faut toujours continuer à construire et aller vers le haut. Là, physiquement, tu te sens comment? Je me sens bien, j'ai pris le temps de faire un petit break, surtout couper du basket. Et je repars aux États-Unis dans quelques jours pour vraiment attaquer la préparation. Il y a un gros break entre la reprise et l'arrêt de la saison. Tu fais quoi généralement? Pour moi, l'été, c'est là où tu progresses. C'est là où tu peux travailler vraiment sur ton corps et franchir des étapes et aussi travailler le basket. Ouais, donc tu es toujours focus, tu coupes jamais vraiment à 100% avec le basket, tu peux pas te permettre. Non, pas vraiment. Quand tu veux progresser et quand tu veux être le meilleur possible, pour moi, c'est une énorme opportunité l'été pour franchir des paliers. On a parlé de certaines de tes passions, que ce soit le manga, les animés, le jeu vidéo, mais t'aimes bien les fringues aussi. Et donc, t'es égérie pour une marque. Comment t'es devenu égérie d'une marque de fringues qui n'est pas du tout du sportswear? Simplement parce que c'est un de mes meilleurs potes qui a créé la marque, Ben Clark. Et on s'est vu à Paris, on a commencé à vraiment échanger et on a trouvé que ce serait une bonne idée de travailler ensemble. Every step takes us closer to our own infinity. Trust your passion. Et donc, si tu n'avais pas été basketteur, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais travaillé dans les fringues? Je sais pas. J'ai tellement basé ma vie autour de ça que c'est dur pour moi de... C'est comme si tu demandais à Luffy s'il n'avait pas été pirate, qu'est-ce qu'il aurait fait, quoi. C'est pareil. Ah, lui, il est parti tôt de chez lui. Exactement. Pareil que toi. Il aurait fait quoi? Il aurait fait des chapeaux, je sais pas ce qu'il aurait fait. Ah, il y a un business, hein, le chapeau de paille. Faut y penser pour Ben Clark. On peut faire ça. Tu es assez actif sur les réseaux sociaux, notamment pour vanner Evan Fournier. Mais aussi, t'as fait une sortie, entre guillemets, sur la polémique des Shitties Country. Est-ce que c'était important pour toi de réagir là-dessus? Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire que je ne dis pas, mais cette fois-là, j'ai,
je l'ai dit parce que pour moi c'était important. Tu t'es senti aussi touché Un petit peu. Malheureusement, il y a beaucoup de propagande et de mensonges qui se disent aux États-Unis des deux côtés pour manipuler les gens. Et même si bon, je suis pas un politique, je pense que je commence à avoir une voix et c'était bien pour moi de dire ce que je pensais. Est-ce que tu suis un petit peu l'actu en France? Tu me disais, il y a plein de choses, tu as envie de réagir, mais tu ne réagis pas. Bien sûr. C'est plus pour l'actu US ou l'actu... Pour les deux. Voilà, y a des, malheureusement, c'est dur pour moi de me mettre dans une position où je peux diviser mes fans, où je vais diviser les gens, où bon, je ne peux pas toujours m'exprimer sur tout. Quand, par exemple, t'as vu Marine Le Pen au second tour, t'avais envie de réagir, hein? Pas vraiment, parce qu'on s'y attendait. On s'y attendait et je pense qu'il n'y a personne vraiment qui a été surpris de voir Marine Le Pen au second tour. T'as pas été surpris de voir Marine Le Pen au second tour, comme t'as pas été surpris de voir Benzema pas sélectionné en équipe de France. Parce que t'as fait un tweet où tu félicitais à juste titre pour la Ligue des Champions. J'étais un peu surpris, mais... Tu dis ça, on pourra pas te l'enlever. Tu penses comme moi que Benzema devrait être en équipe de France? Ah, je pense que c'est un des meilleurs attaquants français du monde et qui pourrait bien sûr aider l'équipe de France à être encore meilleure pour la Coupe du Monde, c'est sûr. Après malheureusement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Je ne suis pas un expert en football non plus. Moi, je vois juste, je joue à FIFA, tu vois, je vois ce qui se passe. Et tu te dis dans FIFA, il est très très bon. Donc et je me fais mon propre avis, tu vois, tout simplement. Et justement, l'équipe de France, bah, on va en parler, tu es un membre à part de l'équipe de France, et même un membre important. Mais comment tu arrives à gérer ton club et l'équipe de France? Parce que c'est compliqué, il y a des échéances qui arrivent. C'est vrai que c'est de plus en plus dur par rapport au calendrier, tout simplement. Ils ont du mal un peu à bien coordonner les dates pour que les joueurs NBA puissent vraiment venir. Là, on a des grosses échéances qui arrivent. On a la Coupe du Monde l'année prochaine, qui est qualificative pour les Jeux Olympiques 2020. Et donc cet été, on a quelques matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde, donc l'objectif c'est vraiment de se qualifier et puis d'aller à la Coupe du Monde l'année prochaine. Et t'en penses quoi d'équipe de France actuellement, puisqu'il y a eu un renouveau aussi Je pense qu'on a énormément de talent, on a vraiment un groupe qui peut accomplir de grandes choses et j'espère qu'on va le faire. La dernière compétition, il y a eu de la frustration quand même, puisque voilà. Mais là je pense qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se créer, il y a beaucoup de talent. Et Jeux Olympiques, tu y penses aussi? C'est un rêve les Jeux Olympiques, de pouvoir aller là-bas et aller chercher une médaille d'or, ce serait un accomplissement. Ton rêve, est-ce que c'est de taper les US en finale? Pas forcément les US, peu importe qui ce sera sur notre route. J'espère qu'on va pouvoir marquer l'histoire. Bah, je te remercie, Rudy. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Merci. En club ou en sélection. Merci à vous.